Il est assis sur la lunette en bois blanc des toilettes. La porte est restée entr'ouverte. Il bande. Riant à l'intérieur de lui-même, il sort de son papier une tranche de jambon blanc qu'ils ont acheté à la supérette du village et la place sur son sexe. Elle est dans le couloir, elle sort de la salle de bain, elle marche, elle prend la direction de la chambre pour aller s'habiller. Il l'appelle, lui dit de pousser la porte. « Tu as pris ton petit déjeuner ce matin, tu n'as pas faim, tu ne veux pas un peu de jambon ?» Elle s'agenouille devant lui, se met entre ses jambes qu'il a écartées pour la laisser s'installer et elle saisit avec sa bouche un morceau de jambon qu'elle mâche puis qu'elle avale. Il remet le reste de la tranche dans le papier et lui demande d'aller chercher des clémentines dans la cuisine, de caresser son sexe avec ses lèvres, puis de déposer des quartiers dessus, en équilibre, de venir les chercher en lissant son membre et en faisant glisser la membrane de peau mobile, si possible, jusqu'à la garde, en tout cas le plus profondément possible. Parfois, il lui reproche d'avoir la bouche un peu trop petite. Il ne lui reproche pas, mais il s'étonne. Il regrette. Il lui dit que c'est étrange. Il lui demande de faire un effort, de ne surtout pas mettre les dents, que les femmes croient toujours que c'est excitant d'être mordillée, que ça ne l'est pas. Pendant qu'elle fait ce qu'il lui demande, il sourit, il reprend ses lunettes qu'il avait enlevées et posées sur le dérouleur de papier hygiénique, il les reprend pour mieux profiter de la scène qui se trouve sous ses yeux. Entre ses deux genoux écartés, il les ajuste sur son nez pour bien voir les détails des lèvres serrant le goulot de la bouteille avant de l'avaler plus loin, avec naturel, sans trop d'efforts apparents, sans déformer les joues, mais quand même jusqu'à s'étouffer pour aller le plus loin possible, comme il le lui demande, sans mettre les dents. Il lui dit de faire attention car elle l'a mordillé sans le faire exprès. Elle continue. Il lui dit de lever les yeux, juste un instant, et de le regarder. Il est entièrement nu, il n'a pas de chemise, pas de t-shirt, rien, juste son slip tombé au sol et ses chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds sur le carrelage. Il lui demande d'enlever la serviette qu'en sortant de la salle de bain, elle a enroulée autour de sa taille et son t-shirt. Elle dénoue la serviette qui tombe par terre, l'utilise comme tapis de sol pour ses genoux qu'elle soulève l'un après l'autre pour la glisser dessous. Il lui caresse les fesses, les pétrit un peu, puis retire lui-même le t-shirt jaune qu'elle vient juste de mettre. Il tire dessus pour le lui passer par la tête sans qu'elle arrête son mouvement, ou du moins le minimum de temps, celui de lever la tête et de laisser glisser le t-shirt par son cou, sans arrêter d'aller et venir avec ses lèvres sur son membre, sans relâcher la pression. Il aime que la pression soit forte, l'étau serré, autour du membre en question. Elle lève ses bras qui étaient posés sur la lunette et faisait le tour de son corps à lui, de son bassin posé et des cuisses écrasées sur le bord. Il retire le vêtement jaune prestement, le jette par terre, au-delà de la porte grande ouverte sur le couloir, au loin, comme un étendard qui atteint tellement le lancer dynamique, presque la porte d'entrée de la maison, qui se trouve en face des toilettes et atterrit à quelques centimètres de la fente de la boîte aux lettres, à l'endroit où on entre chaussé, les pieds boueux vu l'état du sol à l'extérieur. Elle venait de l'enfiler, il est propre, elle vient de le sortir de sa valise. Il lui demande si elle peut passer sa main à l'intérieur de la cuvette, sans se faire mal au poignet, et saisir par en dessous ses testicules qui pendent dans le vide, par-dessus l'eau dans laquelle il a uriné avant de l'appeler pour lui dire de pousser la porte. Elle le fait, puis remet sa main en appui sur la lunette. Pour lui toucher les seins, il se penche. Sa tête à elle se trouve prise entre ses cuisses et son torse penché en avant, qui lui coince le sommet du crâne contre le ventre, sur lequel elle bute quand elle avance la tête pour arriver à le sucer le plus possible jusqu'à la garde comme il le demande. Il lui parle de ses deux gros pamplemousses. Il lui dit qu'il les préfère aux petits citrons de sa femme, mais que d'un autre côté, ça peut être émouvant aussi des tout petits seins, comme ceux de sa maîtresse qui est étudiante à Sciences Po, par exemple.
L'étudiante en question s'appelle Marianne. Il la voit très régulièrement, il parle souvent d'elle. Quasiment tout ce qu'il en dit, est positif. À propos de sa femme, c'est plus variable. Il dit qu'elle a un grand nez, un visage assez long, un peu taillé au couteau, mais qu'elle a de belles fesses. En revanche, quand il parle de son sexe, il prend des mines dégoûtées. Il dit que ça sent le poisson pourri, que c'est insupportable. Il lui parle aussi d'une certaine Frida, qui avait elle aussi des pamplemousses comme seins, mais moins fermes. Moins bon à palper. Il parle en lui démontrant, par ses doigts dans sa chair, combien il apprécie l'élasticité de la matière qu'il est en train d'estimer. Elle le sent bander encore plus dans sa bouche. Ça n'arrange pas les crampes dans ses joues, et plus particulièrement dans les maxillaires, là où l'articulation est sollicitée. Lui malaxe, palpe ses seins. Quand il titille le bout, ça la gêne, ça la déconcentre. Elle voudrait qu'il arrête. Elle ne s'interrompt pas pour libérer sa bouche et dire que ça la dérange. Elle continue. Elle pense qu'il va de toute façon vite revenir vers la partie pleine des seins pour les reprendre à pleine main et que ce n'est donc pas la peine d'arrêter de le sucer pour recommencer quelques secondes après, en ayant fait ralentir le processus général et peut-être compromis la finalité. De toute façon, il va probablement arrêter de lui toucher les seins parce que ça l'oblige à se pencher vers l'avant pour les atteindre, à se plier, et comme il est assis sur la lunette et qu'elle est agenouillée entre ses jambes sur le carrelage, ça l'oblige à rester courbé trop longtemps. Il ne va sûrement pas rester comme ça, à lui coincer le sommet du crâne avec son ventre qui avance, ce qui restreint la liberté de mouvement sur son membre. L'amplitude du moins. Dans peu de temps, ça va lui tirer dans le bas des reins et il va se reculer pour se reposer vers l'arrière. Sûrement même, il s'adossera au couvercle de la lunette qui à la fois sert de dossier et protège du contact avec la faïence du réservoir. Quoique, il a l'air de tenir. Il est toujours plié en deux, les bras ballants, qui passent par-dessus la lunette en bois blanc pour atteindre ses seins, bien ronds, bien fermes, bien gonflés, avec le petit bout encore durci par le jet d'eau froide par lequel elle a terminé sa douche, comme toujours, durci forcément un peu aussi par les caresses, de manière mécanique, automatique, anatomique, réflexe, comme si quelqu'un était en train de pincer le bout de son sein comme on presse sur un bouton électrique et que le courant répondait. Comme elle s'y attendait, il arrête d'en titiller le bout et place les globes dans ses paumes comme s'il les soupesait. Il dit « Tu crois que ça se vendrait bien au marché des gros pamplemousses comme ça ? Continue. » Surtout, ne me réponds pas, continue. Continue, ne t'arrête surtout pas, c'est très très bon, continue, ne t'arrête pas. Tu le fais très bien, tu es doué. Encore, s'il te plaît, c'est bien, c'est bon, continue, c'est bien. Tu aimes ? Ne me réponds surtout pas, surtout ne dis rien. Fais-moi un signe, bouge la main si c'est oui. Si tu aimes, tu agites la main, tu lèves juste la main, lève-la s'il te plaît. Si tu aimes, lève-la. Tu aimes ? Tu la lèves là ? Elle retire sa main gauche du bord de la lunette en bois blanc sur laquelle elle était posée et qui l'aidait à tenir en équilibre sur ses genoux, grâce à la symétrie avec sa main droite posée de l'autre côté, malgré le basculement vers l'avant et le peu de stabilité de la position d'ensemble puisque son buste doit s'avancer le plus possible vers le bord de la cuvette de façon à ce que la bouche arrive à contenir la longueur de membre maximum tout en restant douce, sans mettre les dents, le plus possible jusqu'à la garde et en utilisant sa langue à l'intérieur de sa bouche pour faire des caresses supplémentaires et tourner autour du membre comme un drapeau qui vole autour de sa hampe. Lever la main gauche la déséquilibre un peu. Elle compense en serrant un peu plus les muscles des fesses, en contractant les cuisses, ce qui lui permet de ne pas basculer sur la droite, de ne pas être déportée par le poids de son épaule vers le côté où la main est restée accrochée au bord en bois blanc de la lunette, sous ses fesses à lui. Une fois qu'elle a fait le signe, elle repose sa main gauche et se réaccroche solidement par les deux mains de chaque côté de la lunette en repliant les doigts fermement autour de la planche en bois blanc, qui fait le tour de la cuvette et sert aussi de repos à ses fesses à lui, sous lesquelles elle coince le bord intérieur de ses mains pour les empêcher de glisser sur le bois et pour qu'elle reste au contraire scotchée à la lunette par l'effet caoutchouteux de la chair de ses paumes
un peu moites, qui font ventouse depuis le temps qu'elles sont collées sur la boiserie, coincées en partie sous le bord extérieur de ses cuisses à lui, qui servent de poids pour les empêcher de glisser, d'adhésif, et en partie agrippées ou simplement posées sur le bois blanc pour ce qui est du bord extérieur de ses mains. Quant au bout de ses doigts, il est replié, et en fonction de ses mouvements à lui, qui ne sont ni fixes ni déterminés, mais dépendants de ce que ses mains veulent caresser et comment, les jointures de ses phalanges à elles peuvent se cogner à la dureté du rabat. À cette limite, le heurter légèrement, à peine, tout au moins tant que lui est penché en avant. Quand il va se redresser pour s'adosser, parce qu'il finira par sentir le bas de son dos qui tire, et qu'il se servira du rabat comme dossier, parce qu'il aura décidé de se reculer, à ce moment-là, elle risque d'avoir les mains un peu écrasées, mais il suffira alors qu'elle les décale sur le côté. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il est toujours penché en avant, en train soit de soupeser le sein qu'il a dans la main et qu'il fait sauter dans le creux de sa paume, comme une boule de pâte qui ne collerait pas aux mains, comme s'il faisait légèrement sauter les seins à l'intérieur, comme des balles de tennis ou de jonglage, ou comme des melons l'été, comme le font les gens au marché pour choisir celui qu'ils vont prendre, d'après son poids, considérant que plus il est lourd, plus il a la réputation d'être bon. Contrairement à ceux qui mettent leur nez dessus, se fiant au parfum qu'ils respirent, et à ceux qui tirent sur la queue pour voir si elle est prête à tomber, concluant que le fruit est mûr selon qu'elle se détache de l'écorce ou non. Si elle se détache quand il tire dessus, le melon est mûr et prêt à être consommé. Il soupèse un sein, puis l'autre, les deux alternativement, les faisant sauter dans sa main, comme on soupeserait une pelote de laine pour en éprouver la rondeur, puis en fonçant les doigts dans les chevaux lui-même, la douceur des fils, dans les intervalles d'un doigt à l'autre et à la pliure, en les faisant glisser savoureusement entre eux pour vérifier sur la peau l'harmonie des couleurs. Il s'arrête une seconde pour prendre du papier hygiénique dans le dérouleur et éponger un peu d'eau qui restait sous ses seins et qu'elle avait peut-être mal essuyée. Soit, comme dans la laine, il enfonce ses doigts dans la chair malléable, qui se déforme sans résistance selon la pression qu'il y met, et les zones que ses mains choisissent de faire jouer, puis pressent, font trembloter, rendant les contours du globe, le galbe, la ligne, aussi incertains que des petits dômes de gelée renversés, de flancs, de gâteaux à peine cuits. Il soupèse, soulève, malaxe, puis tire un peu dessus, ça fait mal. Il tire un peu plus fort. Si ça fait mal, fais-moi un signe avec la main droite. La main droite, ça veut dire « c'est un peu désagréable ». La main gauche, ça veut dire « c'est bon, tu ne me fais pas mal ». D'accord ? Il tire sur un sein, puis sur l'autre, puis sur les deux en même temps, puis il remalaxe, puis ressoupèse. Elle s'arrête une seconde. Elle reprend son souffle. Continue, je t'en prie. Continue, continue, surtout continue. Elle retire un poil sur sa langue le plus vite possible. Elle reprend. Il avance son sexe un peu plus loin dans sa bouche. Oui, 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 comme ça, continue, c'est bon, tu le fais bien. Continue, tu le fais bien, c'est très bon. Tu le fais aussi bien que Marianne maintenant. Tu le fais vraiment bien, tu le fais bien, tu sais. Ils sont bons, ces gros seins, ils sont beaux. Pourquoi tu mets toujours ces grands pulls? Tu as un beau corps, tu es une jolie femme, tu sais. Il malaxe, et puis tout d'un coup, il se penche un peu plus, ses épaules se baissent encore, il fait tomber ses bras, son ventre avance encore, et son dos se courbe un peu plus, sans égard pour les reins qui d'habitude tirent quand il les sollicite. Il se plie, se courbe, il lui enserre la tête entre son ventre et ses cuisses, l'encadre pour descendre sa main sous ses seins, plus bas, sur son ventre à elle, dont il attrape des plis, puis qu'il relâche. Il caresse la peau autour du nombril avant de descendre encore et de lui enfoncer un doigt dans le vagin. Il se redresse tout de suite après, parce que là, c'est trop loin. Ça tire sur ses reins. Il a lâché ses seins pour soulager ses reins qui le tirent trop quand il se penche en avant trop longtemps. Il bascule en arrière, se replace en appui sur le couvercle levé de la lunette, ferme les yeux, met sa main sur sa tête à elle, petite boule brune ébouriffée entre ses deux jambes, infiltre ses doigts dans ses cheveux, elle a une mèche de cheveux coincée dans la commissure prise entre ses lèvres
Il la lui retire de la bouche, repose sa main sur le sommet de son crâne, froisse ses cheveux sous sa paume, châtain, fin, les mêle, les entremêle, les embrasse, puis appuie sur le sommet du crâne pour qu'elle enfonce un peu plus, s'il te plaît. Puis, bon, est-ce qu'on pourrait essayer de faire quelque chose ? On ne va pas passer toute la journée dans les toilettes. Il faudrait qu'on se déplace dans la chambre. Mais sans que tu t'arrêtes. Tu veux bien ? Viens, on essaye. C'est tout prêt, le lit est juste là. On a 2 mètres à faire. Allez, viens. Il la prend sous les épaules, par les aisselles. Place ses 2 mains sous ses bras, comme des béquilles, pour l'empêcher de tomber, tout en contrôlant le fait qu'elle n'enlève pas sa bouche de là où elle est toujours. Ses lèvres perdent cependant le contact avec une partie du membre, glissent, partent vers l'arrière, pendant qu'elle reprend son équilibre sur ses jambes maintenant accroupies. Elle n'est plus à genoux sur la serviette. Elle a posé sur le sol la plante de ses pieds, l'un après l'autre. Ses lèvres entourent juste le gland, le haut du sexe, mais elle est quand même toujours en train de faire ce qu'il lui demande. Ne pas interrompre le contact est-elle essentielle, comme une masseuse qui se déplace autour d'un corps pendant toute la durée d'un massage, sans interrompre le contact entre les 2 peaux, comme celle de sa paume et celle de la personne allongée qu'elle est en train de masser, même pour passer d'un corps à l'autre, d'un côté à l'autre du corps, d'un bras à l'autre, d'une jambe à l'autre, même pour faire le tour de la table de massage. Une main reste aplatie entre les 2 omoplates ou sur le ventre, selon la position de la personne, pour ne pas casser ni perturber la prise de contact et ne pas reconstituer l'isolement du corps, même quelques secondes. Il se lève tout doucement de la lunette, ses cuisses se décollent du tour en bois blanc, ses chaussettes glissent sur le carrelage, tout doucement, pour lui permettre à elle de se déplacer en même temps que lui qui marche à pas lents mais debout, pendant qu'elle avance sur le sol tout en restant accroupie, avec cette sorte de tétine qu'elle ne doit pas lâcher et qui la raccroche au bas de son corps à lui. Elle se déplace comme un canard, accroupie, entre ses 2 jambes à lui, la bouche vissée autour du gland, avançant centimètre par centimètre jusqu'à la porte de la chambre qui se trouve juste à côté des toilettes. Il passe 2 profils pour qu'aucun des 2 ne soit obligé d'aller à reculons dans cet attelage déjà risqué. Les petits carreaux gris et noirs du carrelage font place aux tomettes rouges de la chambre juste après le passage de la frontière matérialisée par le chambranle. Les tomettes sur lesquelles il glisse avec ses chaussettes et qu'elle martèle en boitillant lentement, en canard, se trouvent bientôt couvertes par la descente de lit située à l'abord immédiat du but du déplacement. Elles sont d'un rouge profond, plus ou moins en forme de losange, un peu chantourné, un peu rustique ou romantique, un peu comme 2 fleurs de lys collées entre elles par la base. La chambre donne sur un jardin, mais les rideaux sont encore à demi tirés par les voilages, par-dessus les voilages. Les voilages sont un peu gris. L'après-midi, les rideaux jaunes et marrons seront ramenés vers l'extérieur, pincés par une embrasse du même tissu. Il y a une grande armoire en bois foncé, à l'intérieur de laquelle ils ont disposé leurs affaires sur des étagères. Elle est grande ouverte, c'est le matin. Ils étaient en train de s'habiller. Sur son étage à lui, il y a un pantalon Lacoste à carreaux, malgré la saison, novembre, un autre en velours beige, côtelé, un pantalon classique, gris, en flanelle, 2 ou 3 pulls, des chemises bleu clair, des polos de couleur, des chaussettes enroulées sur elles-mêmes, comme le point d'une main, et des slips blancs posés à côté. À l'étage du dessous, il y a ses affaires à elle, il y a un jean, une chemise indienne blanche avec une broderie bordeaux, un pull à col roulé de couleur rouille, un vert assez large, qu'elle porte avec un t-shirt à manches longues dessous, et un pull jacquard beige et rouge, épais. Ainsi qu'un sac en plastique où sont rangés ses sous-vêtements. Face à l'armoire est posé son sac de voyage à lui,
contre le mur, près de la fenêtre qui donne sur le jardin, et juste à côté de ce sac, sur un petit secrétaire, des guides Michelin. Trois guides verts, celui de l'Isère, celui de l'Italie du Nord, celui du Languedoc, et, ouvert à la page du restaurant qu'il a réservé la veille marqué par un ruban de la même couleur, le guide rouge, qu'il emporte partout, et qui lui permettra pendant leur séjour de ne pas entrer dans n'importe quelle gargote. Il lui dit qu'il va s'allonger, qu'elle n'a qu'à suivre son mouvement, qu'ils sont en train d'y arriver, qu'elle maintienne bien sa position et qu'elle laisse ses lèvres là où elles sont. Ils y sont presque. Elle ouvre quand même la bouche 2 secondes. Le déplacement la fait de toute façon un peu débandée, il faudra recommencer. Elle reste avec les lèvres pincées sur la hampe, mais moins serrées. Il ne dit rien, les positions sont compliquées. Il s'assoit sur le matelas, puis s'allonge, en la saisissant bien sous les bras pour l'aider à se hisser. Il rampe sur le dos vers le milieu du lit, elle se laisse tracter. Elle replante sa bouche jusqu'à la garde, il rebande, il lui propose alors de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Tu veux bien ? Puisqu'ils en sont aux tentatives. Tu vas voir, c'est très bon. Tu vas aimer. C'est pour toi. C'est pour ton plaisir. Il lui dit de tourner sur elle-même pour se mettre dans l'autre sens. Dans le sens inverse du lit. La tête vers la fenêtre et les pieds vers le mur. Les lèvres, bien sûr, toujours serrées autour du goulot de son sexe, mais en sens inverse. En sens inverse de lui, pour qu'il soit tête bêche, qu'elle ait ses fesses au niveau de son menton à lui, à peu près. Il lui dit qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle va comprendre, qu'il va lui expliquer, et que c'est très agréable, elle va voir. Qu'elle est très belle, avec ses gros seins en train de balloter pendant vote autour de son sexe sans le lâcher. Elle se met comme il le lui demande, dans le sens inverse du lit, la tête vers la fenêtre et les pieds à la tête du lit, à 4 pattes au-dessus de lui d'abord, puis à plat. Il dit qu'il la voit bien comme ça, que ses fesses sont magnifiques, que ses 2 gros pamplemousses sont en train de chatouiller sa poitrine. Il lui dit que oui, c'est ça. Que sa tête doit se trouver dans la direction du jardin. Qu'elle pourra même regarder le paysage. En tournevirant, son regard balaye ce qui entoure le lit. Elle aperçoit, sur sa table de nuit à elle, le livre qu'elle est en train de lire, que lui ne connaît pas. Il n'en a jamais entendu parler. C'est un livre de Gilbert Cesbron. Il lui a promis de le lire, de lui dire après ce qu'il en pense, puisqu'elle aime tous les livres de cet auteur, qu'elle en a lu plusieurs. Elle a été chercher celui-là à la bibliothèque avant de partir. Elle a aussi apporté un livre des 6 compagnons, qu'elle n'a pas encore commencé, et qu'elle a eu pour son anniversaire, qui tombe dans la semaine. De son côté, sur sa table de nuit à lui, il y a des livres en langue étrangère, un en allemand, un en italien, un en français, et Le Monde de la veille, froissé, ainsi que son paquet de cigarettes, à l'intérieur duquel il a glissé un briquet. Ça ne se voit pas, mais dans le tiroir de sa table de nuit, il y a aussi un tube de vaseline. Ils sont allés l'acheter à Grenoble, dans une pharmacie, la veille, en même temps que Le Monde. Il en a profité pour faire un tour dans la grande librairie de la ville, en lui recommandant de faire comme lui, de bien regarder les livres, de s'intéresser à ce qu'il y avait autour d'elle. Mais elle s'est ennuyée. Quand il l'emmène dans les librairies, elle est fière de faire partie des gens qui y sont, mais elle ne sait pas quoi regarder, ni comment se comporter. Elle est là. Elle le regarde, lui.
Elle cherche quelle attitude adopter. Comme il reste longtemps, au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Elle prend des livres, les ouvre, regarde les premières pages. Voilà, je vais m'arrêter là. Bonsoir. C'est un petit peu difficile de prendre la parole juste derrière la lecture. Si on peut dire qu'on a aimé une semaine de vacances, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas un livre aimable. Il a été publié il y a un mois. Il a fait l'événement de la rentrée littéraire, comme on dit. Beaucoup de bruit, suscité énormément de réactions. Et il arrive que le bruit, après avoir révélé un texte, finit par l'occulter. Et donc on a décidé de laisser de côté cet aspect public et médiatique et de s'intéresser à d'autres aspects de ce livre, de ce texte, et pas seulement de ce texte, d'ailleurs d'autres textes de Christine Angot également, et de s'intéresser par exemple à ce que dit Une semaine de vacances sur la solitude, sur la domination, à s'intéresser aussi au fait que, depuis un mois, aussi bien dans les personnes qui ont lu ce livre et qui nous en parlent, les femmes qui ont lu ce livre et qui nous en parlent, que dans le courrier ou les textes que peut recevoir Christine Angot, il y a énormément, ces 137 pages suscitent énormément d'émotions chez beaucoup de femmes, y compris des femmes qui n'ont jamais connu ni de loin ni de près l'inceste. Et d'ailleurs, c'est en fait par là que je voudrais commencer parce que, excusez-moi, je remets mes lunettes pour faire une citation exacte à propos d'un texto que vous avez reçu d'une femme et qui disait très exactement « Voilà très longtemps que ma conscience féministe n'avait pas vibré au même rythme que mon amour de la littérature. » Pourquoi est-ce que les femmes se reconnaissent à ce point-là dans votre livre, pensez-vous ? Ça, alors là, ça pour le coup, c'est leur. C'est, moi, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Moi, la seule chose que je peux savoir, c'est ce que. Enfin, la seule chose que je peux savoir. La seule chose que je cherche à savoir, c'est ce que moi je peux écrire. Voilà. Je me contente de ça. C'est déjà un gros travail. Après, ce que ça provoque, ce que ça suscite, ce que ça déclenche, le pourquoi des choses, le pourquoi des réactions, je pense sincèrement que ce n'est pas mon travail. Et très franchement, je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Il y a une petite chose que je veux bien essayer de chercher avec vous, mais je ne suis pas mieux placée, je crois, que vous, que les lecteurs, pour essayer de répondre à cette question.
La seule chose que je voudrais dire, déjà, avant de commencer, c'est une première réaction à quelque chose que j'ai beaucoup entendu depuis la sortie du livre, c'est que ce livre ne serait pas aimable. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas confondre le livre et ce qui s'y passe. Que ce qui s'y passe ne soit pas aimable, que le personnage masculin ne soit pas aimable, je le conçois. Mais d'abord, je pense que le personnage féminin peut l'être aimable, j'espère. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu pour. Et surtout, je pense que le livre peut être aimable. Je pense que un livre... Oui, c'est le grand danger. C'est-à-dire que, vraiment, ne pas confondre ce qu'on voit dans le livre et le livre lui-même. Et je crois que dès lors qu'un livre dit quelque chose de vrai, on l'aime. Enfin, moi, un livre qui dit quelque chose de vrai, je l'aime. Même si le quelque chose de vrai en question, dans la vie, je ne l'aime pas. Ne pas être aimable n'empêche pas d'être aimé. Non, mais je pense très sincèrement. Non, mais c'est pas du tout anecdotique, mm-hmm. cette histoire-là. Je pense vraiment que ce livre est s'il n'était pas aimable, franchement, je ne l'aurais pas fait. Moi, j'ai jamais fait de livre mal aimable. Enfin, vous voyez, vraiment, un livre, je ne comprends pas pourquoi les gens liraient des livres s'ils ne les aimaient pas. Franchement, c'est pas possible, ça n'existe pas. Qu'on n'aime pas imaginer, qu'on n'aime pas le réel à quoi le livre fait référence, bien sûr. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas d'aimer le livre. Et alors maintenant, pourquoi la question des femmes en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand j'ai reçu ce texto, ça m'a touchée. Cette femme qui m'écrivait, ça fait longtemps que ma conscience féministe n'avait pas vibré au rythme de mon amour de la littérature, un truc comme ça. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a... Je sais pas, je me suis dit, bon... Je me suis dit, parce que si vous voulez, la littérature, c'est quand même ne pas croire à toutes les choses, à tous les mouvements de groupe, à tout ça. C'est ne pas y croire, c'est croire que, c'est ne pas pouvoir y croire. Mais que par d'autres moyens. On arrive à se connecter avec des gens qui y croient, ça c'est magnifique. Et le choix du « elle » dans le livre, qu'on ressent à certains moments comme un « je mm-hmm. », alors qu'en fait c'est toujours un « elle mm-hmm. », est-ce que c'était... comment ça s'est imposé à vous? Est-ce que c'est un choix parce que le « je » aurait pu être écrasant ou tenir le lecteur à l'extérieur, paradoxalement, ou est-ce que c'est une nécessité de mettre cette légère distance du L avec, pour le récit, ou autre chose? Oui, c'est autre chose. C'est le fait que le choix d'une narration, là, en l'occurrence de ce pronom, il se fait toujours, il ne se fait jamais au hasard. Ça correspond à quelque chose de bien précis, ça correspond à ce qui va se dire et à la possibilité que ça soit vrai. Il ne faut pas que ça sonne faux. Ça aurait été absolument factice si j'avais mis un jeu à cet endroit-là, puisque le personnage de la jeune fille, on ne sait pas exactement son âge, on peut l'imaginer, on peut l'imaginer un peu comme on veut. Moi, je la situe entre 13, 14, 15, par là, dans ces eaux-là, 16 peut-être,
ça tourne autour de ces âges-là, et elle est visiblement dans une situation où elle n'est pas en mesure de dire quoi que ce soit. Probablement, ça j'ajoute au passage quand même, parce qu'elle sait intuitivement, alors parce qu'elle n'est pas assez forte, très bien, pour dire quelque chose, mais aussi parce qu'elle, intuitivement, elle doit ressentir que les gens qui sont autour d'elle ne sont pas assez forts pour entendre ce qu'elle aurait à dire. Donc elle ne dit rien. Enfin, elle dit tout sauf ça, en tout cas. Elle ne parle pas, elle ne dit pas ce qu'elle a à dire. Donc, si je lui avais fait dire « je », c'était faux. Donc, ça veut dire qu'il faut se débrouiller autrement pour être réceptif à cette jeune fille, pour pouvoir entendre ce qu'elle ne dit pas. Donc, c'est un « elle », c'est quelqu'un d'attentif, c'est quelqu'un qui devine, c'est quelqu'un qui la devine, qui écrit et qui tend l'oreille, qui se penche vers elle pour arriver à entendre ce qui se passe dans sa tête. Mais elle, si elle avait pu dire « je », elle n'en serait pas là. On voit une personne qui est en train qui est en train de cesser d'être une personne, même si à la fin, il y a quelque chose qui va basculer. Mais tout le livre nous raconte quelqu'un qui est en train de cesser d'être une personne. Donc si vous n'êtes pas une personne, vous ne dites pas « je ». Alors justement, à propos de ce « elle » et à propos de cette question de la personne, ce que l'unit son père, vous avez écrit dans l'usage de la vie, donc qui est un monologue où vous travaillez aussi sur l'acte littéraire, et je dis bien acte. Et parmi vos analyses, vous établissez une distinction absolument essentielle entre le personnage et la personne. Et moi, il me semble indispensable que le elle d'une semaine de vacances soit considéré comme une personne, justement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, exactement. C'est-à-dire que je pense que, oui, tout à fait. En fait, je pense que dans ce livre-là, et je pense que, je vais vous dire, je pense que dans ce livre, je demande beaucoup d'efforts au lecteur. Et notamment, je lui demande, puisqu'il n'y a pas de commentaire de la part du narrateur, la jeune fille ne parle pas, on a des propos en effet du personnage masculin, mais sont des phrases comme ça, c'est pas des choses auxquelles on peut adhérer, enfin, il n'y a pas, ce sont pas des commentaires non plus, c'est une espèce de construction d'un personnage par lui-même, donc c'est pas vraiment, et lui pour le coup est un personnage vraiment. Et donc je disais que je demande beaucoup d'efforts au lecteur, je lui demande de deviner, je crois, dans ce livre, ce que c'est qu'une personne. Et je lui demande pour ça de s'appuyer sur lui-même. Et je pense que dans ce livre, le lecteur se trouve tout d'un coup en opposition avec le personnage masculin. Et on a le personnage masculin qui est là et qui dénie à cette jeune fille. Mais si c'était une jeune femme, ce serait exactement la même chose. C'était une femme aussi, qui lui dénie son statut de personne. Et le lecteur est le seul en face pour le lui restituer. Et comment il fait pour le lui restituer ? Il le lui restitue avec ce qu'il sait, lui, intimement, de ce qu'est une personne. C'est ça qui se passe dans ce livre. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour préparer cet entretien, à un moment, vous avez dit une chose évidente, je crois, sur ce livre. Ce livre, c'est un livre sur la domination. Mm-hmm. Et puis après, vous avez ajouté,
D'ailleurs, en fait, tous mes livres sont sur la domination. Alors, c'est évident dans Les Petits, c'est évident dans L'Inceste, c'est évident dans certains livres, dans moins peut-être dans d'autres. Dans Le Marché des Amants, c'est évident aussi. Dans Rendez-vous aussi. Interview. Interview, ô combien ? En partie, oui. Ah non, bah, ouais, journaliste, ouais. Au secours. Justement, est-ce que vous pourriez... Oui, ouais. La prise... Ouais. C'est vraiment... Oui, oui. justement, est-ce que vous pourriez en parler un petit peu, notamment pour ceux ou celles qui n'ont pas encore tout lu de vos livres précédents et de ce thème de la domination qui traverse l'intégralité de ces livres. Justement, je pense que ma difficulté, et c'est bien pour ça que j'écris et que je suis écrivain, c'est que justement, je ne suis pas très à l'aise pour parler d'une manière générale. Hein. Un écrivain, c'est quelqu'un qui, se trouvant systématiquement en train de bredouiller dès lors qu'il est question de... Généralité. Non, mais de comment dire ? Ben voilà. Voilà, c'est très simple. À ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas important pour cet écrivain de dire des choses. Donc, il y a la nécessité de trouver comment faire. Et, et pourquoi il ne trouve pas comment dire, d'une manière comme ça, intellectuelle ou généralisante, ou comme ça, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est un manque de confiance dans cette manière de réfléchir et de parler, alors que la pensée par le concret lui paraît plus... il y croit plus. Vous y croyez plus. L'idée que vous pensez quelque chose, vous ressentez quelque chose, vous êtes sûr de quelque chose. Sûr. Bon. Mais si vous commencez à l'expliquer, non seulement vous n'y allez pas l'arriver, mais en plus vous allez marquer contre votre camp. Voilà. Ce que je faisais systématiquement chaque fois que j'avais l'occasion de jouer dans un sport d'équipe. L'idée que si vous prenez appui sur quelque chose que vous êtes sûr de savoir, parce que vous l'avez expérimenté, éprouvé, réfléchi, et que vous avez acquis votre objectivité par l'intérieur et par le particulier, alors à ce moment-là, vous pouvez le dire. Et tous les livres s'appuient sur un aspect, un axe, une situation particulière, où cette question de la domination, comme dans un prisme, donne un certain reflet. Hein? Dans Les Petits, on a un personnage de femme qui devient mère et qui prétend régenter et contrôler tout ce qui se passe autour d'elle et qui parvient avec l'aide de la société, parce qu'il faut quand même dire que la société est toujours d'accord avec les initiatives privées qui prétendent dominer. C'est toujours une aide gratuite pour le contrôle, finalement. Ce sont des sortes de fonctionnaires bénévoles. Et voilà, donc dans Le Marché des Amants, ça, c'est une autre question, hein. C'est façon dont tout un milieu prétendument évolué, averti, et qui ne pratique ni le racisme anti-blanc ni le racisme anti-noir, hein, ne se rend même pas compte de sa propre monstruosité. Très certainement, une des clés de la raison dont ce livre a été reçu. D'ailleurs, il y a 2 ans. Mais bon, merci beaucoup, parce que ça a été tellement violent que du coup,
je suis maintenant blindée. Et alors, pour revenir sur une semaine de vacances, il y a cette domination toujours, évidemment, c'est la manière dont le père nie sa fille en tant que sujet, en tant que personne. Et en tant que sa fille. Et en tant que sa fille, bien sûr. Donc elle est un objet, et l'humiliation, sa manière de la tuer, d'une certaine manière, ce n'est pas seulement en lui imposant des relations sexuelles, c'est aussi beaucoup d'autres interdictions, des mots, des lectures, des références qu'il impose, une domination qu'il veut intellectuelle, pas uniquement sexuelle, il y a les deux, toujours. Et on l'a entendu dans l'extrait que vous avez lu. Et d'ailleurs, ces ordres ne sont pas uniquement des gestes. Et vous soulignez, c'est « il demande, il dit, dis-moi, dis ». Est-ce que c'était important pour vous que les deux soient liés et que les deux soient mis en perspective, cette domination masculine absolue du père, sexuelle, certes, mais intellectuelle, et ce que ça dit de cet avenir qu'il dicte à sa fille ? Oui, parce que je pense que les deux sont toujours liés. Et quand ils ne sont pas liés, alors à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de domination. Enfin, s'il y a contrainte, il y a tout ce qu'on voudra, mais c'est embêtant, c'est énervant, c'est une contrainte, mais ce n'est pas à ce moment-là de la domination. La domination se caractérise justement par le fait que le corps... devient un objet et que en même temps, enfin que ça passe à la fois par le contrôle du corps comment accepteriez-vous, qui peut accepter que son corps soit contrôlé s'il n'est pas par avance convaincu qu'il est de toute façon dominé de tous les autres points de vue, à commencer par le point de vue social et qui passe naturellement, le point de vue social, par la question intellectuelle. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu de votre absence de statut social, vous n'avez aucune raison de vous laisser arracher votre corps et donc votre personne. Donc si vous avez une faiblesse qui fait que vous pouvez être une proie pour les candidats à la domination. C'est parce que vous pensez que... Enfin voilà, c'est parce que vous ne pouvez pas résister. Ça va ensemble. Et en même temps, il me semble que dans les lectures qui ont été faites de votre livre, dans les certaines critiques, pas que j'ai du mal à comprendre, mais ce qu'on met en avant, c'est la dimension extrêmement sexuelle de l'inceste dans ce livre, c'est-à-dire que vous nous mettez face... Oui, mais en fait, ils ont découvert qu'il y avait une dimension sexuelle dans l'inceste. Mais bon, je suis très fière d'avoir écrit ce livre parce que c'est très important de renseigner les gens qui débarquent. Et vous le montrez jusque dans la répétition, cette durée absolue et sans cesse recommencée. Il y a une temporalité qui est essentielle dans le récit. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui est insoutenable pour la victime, peut-être pour certains lecteurs. Il y a une violence sexuelle crue que vous montrez peut-être à ce point pour la première fois. Je ne sais pas si c'est... Disons que c'est... Bon. Moi, je ne trouve pas ça cru spécialement. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire cru. C'est tel quel. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Souvent, dans les scènes ou des descriptions sexuelles, il y a soit c'est flouté pour faire... pour donner un certain effet d'atténuation ou de romantisme ou de je ne sais pas. Enfin bon, soit c'est flouté, soit, au contraire, c'est... Ça tire vers la vulgarité ou vers le gros plan, etc. Là, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet de flou. Il n'y a pas d'effet non plus de vulgarité. Il n'y a rien de souligné. Il n'y a aucun effet. Et je crois que c'est ça qui pose problème, finalement, peut-être. C'est que c'est juste... C'est comme ça. C'est tel que c'est.
Et donc, je crois que ça, c'est finalement assez... C'est pas fréquent. Et dans ce qui pose problème et dans la réception du livre, est-ce que vous ne pensez pas la victime, d'une manière générale, fait l'objet de compassion, mais sur des codes très précis? Or là... Ah oui, ça c'est sûr. Bien sûr. En écrivant une œuvre qui n'a rien à voir avec un témoignage, en quelque sorte, vous reprenez la main, vous renversez la situation. Et est-ce que dans les réactions hostiles ou dans les réactions de rejet... Je ne crois pas que je renverse la situation, parce que je n'aimerais pas du tout renverser la situation. Non, vous je lâche la situation. Et je lâche la situation. Je ne veux pas... Ce n'est pas un bras de fer. Il y a pas de bras... Enfin, si, il y a un bras de fer, mais moi, je vais ailleurs. Je les laisse faire leur bras de fer. Et moi, je m'en vais ailleurs. Moi, je m'en vais dans un autre pays. Ça s'appelle la littérature. Je ne joue pas à ce truc. Donc, et c'est ça... Ça pose un vrai problème. Vous quittez tout ce qui peut ressembler à la position de la victime telle que les gens aiment la voir. Et à la position du bourreau. Parce que si je jouais au bourreau, ça serait beaucoup plus simple. Mais permettez-moi, je vais répondre à votre question parce que c'est très important. Mais je vais quand même dire quelque chose avant. Je pense que, parce que vous voyez, on est là comme des victimes, toutes les trois, stupides, en train de dire que la réception de ce livre est négative. C'est faux. La vérité, c'est que s'il y a des papiers absolument grotesques, c'est surtout parce que j'ai été très bien défendue. C'est parce que j'ai fait la une du Monde, n'oublions pas, et quatre jours après, la une de Libération. Ça ne s'était jamais vu. Jamais. Donc, j'appelle pas ça une réception négative. En revanche, cette réception positive tellement forte, tellement... Enfin, c'est génial, enfin, c'est vraiment quelque chose... Moi, j'étais très contente, évidemment. Et ça... alors, oui, on peut dire, oui, c'est parce que la victime, etc., bien sûr, et vous avez parfaitement raison, et je vais en parler. Mais ce qui pose véritablement problème, c'est que c'est que ce livre ait reçu les éloges qu'il a reçus. Si vous voulez, il y a quand même quelques petits marquis qui ça les arrange pas. Ils pensaient que ça aurait été mieux pour eux, ce genre de réception. Ben oui. Donc je crois que là, il y a... Voilà. Donc ça, quand même, disons-le. Ça, c'est un premier point. Alors maintenant, sur votre question. Bien sûr que... vous avez raison, et que ce que on peut me reprocher, enfin ce qu'on me reproche, ce qu'on a tort de me reprocher, mais ce qu'on me reproche, ça certainement, ce n'est pas du tout de parler de tout ça, puisque tout le monde parle de ça. Je me demande qui ne parle pas de ça, qui ne parle pas de sexe, qui ne parle pas de viol, qui ne parle pas d'inceste, qui ne parle pas de domination. C'est plutôt ça la question. Donc, c'est pas du tout ça qu'on me reproche. Non. On peut en parler, on doit même en parler. Hein? C'est comme une sorte de, finalement, d'injonction. Quand on parle, il faut parler de ça. Mais, il y a des figures imposées. Si vous parlez d'une question de domination, vous avez une partition et vous la suivez. Et c'est tout. Et vous chantez la chanson telle qu'elle a été composée. Mais moi, c'est moi qui compose. Je ne chante pas la chanson telle qu'elle a été composée. Je trouve que les notes sont fausses. Donc, voilà. Vous voyez, c'est ça la question. C'est ça la question. Vous pouvez parler de tout ça autant que vous voulez, mais au contraire, ils adorent. Mais il faut rester dans le discours social sur ces questions-là. Tout ça a été réfléchi depuis longtemps.
ça fait bien longtemps qu'ils ont réfléchi à les mots pour le dire. Bien sûr. C'est pas à eux qu'on va apprendre, non. Ils connaissent déjà les mots pour le dire et le rythme, etc. Mais là, ça, c'était pas prévu, en revanche. Ça, c'était pas prévu. Voilà. Parce qu'une personne toute seule peut arriver à dire quelque chose d'une manière qu'il a... Voilà. Ça va être fait. Ça va prendre du temps, peut-être, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est sûr. Mais elle peut trouver une manière de dire quelque chose où il n'y ait pas de fausse note. On me reproche qu'il n'y ait pas de fausse note, je crois. Ils sont tellement habitués aux fausses notes. Ils en produisent tellement. Alors, quand il n'y a pas de fausse note, ça leur fait mal aux oreilles. S'il nous reste un petit peu de temps, je voulais revenir sur les livres qui sont cités dans Une semaine de vacances. Parce qu'il y a une sorte de dialogue par les livres, si j'ose dire. Enfin, c'est justement pas un dialogue, mais un échange. La très jeune fille, c'est d'ailleurs à cela qu'on perçoit son âge, est en train de lire Chien perdu, son collier de Gilbert Cesbron. Elle a dit à son père qu'elle aime cet auteur. Il lui dit, je vais le lire. Si on se souvient un peu de ce que c'est que Chien perdu sans collier, c'est en fait une histoire d'adolescent en difficulté, comme on dit aujourd'hui, avec des familles fracassées. Les questions que pose Cesbron dans ce livre-là, c'est la famille qui n'apporte aucune sécurité. Donc en fait, la très jeune fille, voilà de quoi elle parle à travers ce livre. Enfin, voilà ce que ce livre dit à sa place. Et le père, lui a apporté Sans réserver de Thomas Mann, qui est un livre sur l'inceste, qui est un livre sur fond de bourgeoisie juive, et en allemand, puisqu'il lui demande de lire en allemand pour parfaire son allemand. Et c'est absolument terrible, c'est une réponse terrible qu'il lui donne. Enfin, ce livre est un cadeau terrible. Et un livre de Rob Grier aussi. Il le lui donne aussi ? Oui, je crois, oui. Je ne savais pas s'il le mentionnait ou s'il le donnait en lecture. Je crois, oui, je crois. Disons que ce sont des... Quelle est la question précisément ? Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est que ce sont des signes. Chien, perdu, sans collier, mais enfin, chien. Donc, d'un côté, et puis le sang, de l'autre. Réservé, qui plus est. Gilbert Cesbron contre Nietzsche, parce qu'il est question de Nietzsche aussi à un moment. Oui, oui, oui. Donc, ça vous donne une idée de comment elle est armée. Oui, sans même parler des six compagnons. Sans parler des six compagnons. Mais enfin, elle est toute seule, quoi. Les cinq autres, on les attend, quoi. Donc, c'est ça aussi. Hein. Donc, Chien perdu son collier, c'est aussi au pluriel, je crois. Oui. Je ne me souviens plus. Ouais. Voilà. C'est plusieurs adolescents. Voilà. Oui. Donc, oui, c'est plusieurs. Parce que, si vous voulez, quand on définit quelqu'un, on croit pouvoir le définir toujours en disant il a tel âge. Il est comme ci, comme ça, etc. Et là, il n'y a pas du tout ces renseignements. Et je pensais, c'est peut-être pour ça que des gens m'ont parlé de cinéma aussi. C'est vrai qu'au cinéma, un personnage arrive rarement en disant « j'ai tel âge », etc. Et donc là, ça apparaît plus comme dans une narration cinématographique où on devine les choses par rapport à des signes qui sont là, sur un livre et tout ça. Et d'ailleurs, ça fait au moins trois fois, je crois, depuis le début de l'entretien, que je prends le mot « deviner », parce que je crois que c'est très important, et que le roman est toujours considéré comme une œuvre d'imagination. Et donc, imaginer. Il faudrait imaginer. Et alors, oui, l'imaginaire, bien sûr, c'est...
c'est vital. Mais le mot imaginer, je pense qu'il faut s'en méfier, parce que imaginer peut vouloir dire se tromper. Alors que deviner implique de trouver. Et c'est pourquoi je disais que le lecteur avait un rôle très important, parce que là, le lecteur, il ne faut pas qu'il se mette à imaginer, à délirer, tout ça. Non, il faut qu'il devine. Il faut deviner juste. C'est son travail à ce moment-là. C'est oui. Le travail du lecteur. Ben oui, mais je crois qu'il est content. Enfin, je crois que c'est... Si les gens aiment les livres et les trucs policiers et tout ça, c'est parce que y a quelque chose à trouver. Il y a quelque chose à trouver juste. Et pas seulement à se changer les idées. En rêvant. Moi, je n'aime pas rêver. Et en même temps, c'est un rêve qui permet à la jeune fille de reprendre un pouvoir sur la parole. Non. Peut-être. Non. Non. C'est quand elle dit le rêve. Oui. Ce n'est pas le fait d'avoir fait le rêve. Non, bien sûr, oui, je me suis mal exprimée. C'est le fait de dire le rêve. Que vous ne dites pas, d'ailleurs. Que pour le coup, on ne devine pas. Que vous ne dites pas. Vous auriez pourtant des moyens de le deviner. Oui, mais on va laisser lire aussi. Et peut-être pour finir, parce que je crois qu'on est un peu... Par le temps, malheureusement, mais enfin, vous verrez qu'il y avait tellement d'autres pistes qu'on aurait aimé aborder d'ailleurs. Mais vous nous avez dit, toujours en préparant cet entretien, que vous savez enfin avoir atteint quelque chose avec ce livre, que vous avez atteint quelque chose. Et est-ce que vous pouvez développer, parce que pour nous c'est évident que vous avez atteint effectivement quelque chose. Mais dans quel sens vous prononciez cette phrase ? Ça me fait peur, j'espère que je n'ai pas dit ça exactement. non, mais en tout cas, oui, enfin, je vois bien à quoi vous faites allusion. En tout cas, ce que j'ai pu dire, disons que j'ai eu, j'ai eu l'impression que j'avais fait quelque chose, que j'avais fait comprendre quelque chose. J'avais fait comprendre quelque chose, je crois, je suis sûre. J'ai fait comprendre quelque chose. J'ai fait comprendre quelque chose qui n'est jamais compris, et c'est normal d'ailleurs, puisque c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose d'intérieur et de l'intériorité de quelqu'un qui ne parle pas, de quelqu'un qui ne peut pas parler, de personnes qui ne peuvent pas parler. Ça m'intéresse les gens qui ne peuvent pas parler. C'est cela que j'aime. Et d'essayer de découvrir, de deviner, en me trompant le moins possible, j'espère. Parfois, je me trompe. Mais là, je ne crois pas m'être trompée. De ce qu'ils pensent, savoir ce que pensent les gens. Savoir ce que quelqu'un pense, savoir comment quelqu'un se sent, encore plus, je dirais. Savoir comment quelqu'un se sent. C'est quelque chose qu'on voudrait toujours savoir. On ne sait jamais. Et c'est ça qui nous importe le plus, en fait, de savoir comment l'autre se sent. Pas tellement ce qu'il pense ou ce qu'il a à dire, mais comment il se sent. C'est un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès. Et par le livre, on peut essayer. Et je crois que là, j'arrive à dire comment elle se sent. Et vous voyez, alors là, je peux peut-être répondre à votre première question. Peut-être que c'est ça qui a pu toucher certaines femmes, qui, comme ce n'est pas un truc qu'on peut dire... elles ont peut-être vu qu'il y avait un effort pour au moins essayer de le deviner. Alors que c'est très rare finalement qu'on s'intéresse, qu'on essaye de savoir comment les femmes se sentent. Tout le monde s'intéresse à savoir ce qu'elles sentent et ce qu'elles ressentent. Mais comment elles se sentent, ça intéresse qui ? Donc peut-être c'est ça. Mmh.
Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, je pense ça et plein d'autres choses. Je pense que l'extrême solitude qui est décrite dans le roman, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de femmes, de cette solitude-là, très particulièrement. À certains instants, je pense que pour certaines, ça a peut-être duré 3 minutes, 4 minutes. Et que ça revient très violemment quand on lit le livre. Enfin, c'est une des choses... Mais en fait, c'est moi qui pose la question, normalement. En tout cas, bon, je crois qu'on est obligé de rendre le plateau. Okay. Et on vous remercie beaucoup d'être venu et d'avoir passé du temps. Merci.